Madame la Première Dame, les initiateurs de ce rassemblement sont un groupe de jeunes cyberactivistes qui se sont donné la dénomination les enfants de Bago. Le chef de cette importante délégation de jeunes activistes qui ont donc organisé cette rencontre est M. Narcisse Yapo. Et son nom sur Facebook, c'est KGB. Voilà, dit KGB. Il se trouve être le président du comité d'organisation de ce rassemblement. Madame la Première Dame. Alors, Madame la Première Dame, ils ont invité d'autres groupements. Nous avons, par exemple, le groupe HGMJ. Entendez, halte au génocide, mémoire et justice, qui est représentée ici par Madame Daba Célestine. Voilà, Célestine Daba, qui est le secrétaire général de ce groupement. Ce groupement se trouve en France. Voilà, est basé en France. Donc, Madame Daba Célestine est là ce soir en tant que SG et HGMJ. Elle prononcera un discours tout à l'heure. Où est Madame Daba Célestine? Levez-vous qu'on vous voit, Madame. La Première Dame veut vous voir. Merci. Nous avons également, Madame la Première Dame, l'association EIV Capable de Yopougon. Dont la présidente est Madame Méo Antoinette, qui n'est pas là ce soir, et dont la PCO est Madame Yvette Yézion, voilà. Et
ces deux responsables-là de cette association, EIV Capable de Yokougon, sont représentés ici ce soir par Madame Guy Cécile. Madame Guy Cécile, qui a conduit donc le groupe EIV Capable ici ce soir. Mais Madame la Première Dame, nous avons également deux millions de jeunes filles pour Gabo, représentées ici par sa présidente, Madame Faye Florentine. Voilà, elle est derrière vous. C'est la SN Faye Florentine. Madame la Première Dame, nous avons également l'OFPI, l'Organisation des Femmes du Front Populaire Ivoirien, qui est représentée ici ce soir et qui est conduite par Madame Trocarole, SN OFPI, qui se trouve être membre de votre délégation. Nous allons venir tout à l'heure sur la présentation de la délégation de Madame la Première Dame, mais en attendant, je voudrais, Madame la Première Dame, vous donner l'objet de ce rassemblement, tel que nos jeunes frères l'ont conçu. Il s'agit, Madame la Première Dame, de commémorer le 11 avril, ce lundi noir que notre pays a traversé, et dont tout le monde se rappelle encore comme si c'était hier. Nous avons vu les images qui ont touché toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Ils sont venus pour la commémoration de cet événement que notre pays a connu. Nous allons oublier, mais nous allons donc pardonner, je voudrais dire, mais il faut que nous commémorions cet événement-là. Le deuxième objet, Madame la Première Dame, c'est de se réjouir avec vous, de fêter avec vous l'acquittement et la libération du président de Laurent Gbagbo. Ce deuxième objet-là a un sous-objet, c'est pour vous montrer les prémices de ce qu'ils vont faire lorsque le président Laurent Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est, ils vont vous montrer un petit bout de leur capacité. Voilà. Madame la Première Dame, aujourd'hui, là, ce sont des hommes de communication qui sont venus vous voir. Sont tous des hommes de communication. Donc, ils ont décidé eux-mêmes d'assurer la maîtrise des cérémonies. Donc, tout à l'heure, c'est eux qui vont présenter le déroulé de la cérémonie et c'est eux qui vont faire appel donc, à tous les intervenants, que ce soit pour l'animation ou bien que ce soit pour les interventions. En attendant, je voudrais annoncer ici M. Kipré Jean-Jacques qui s'appelle Kaiper Doro sur Facebook. Et c'est lui, donc, qui va assurer la maîtrise de cérémonie ici ce soir, Madame la Première Dame. Je voudrais, sans plus tarder, en attendant que tous les membres de votre délégation arrivent, je voudrais, sans plus tarder, lui donner le micro pour qu'il appelle ici les artistes qui vont faire un peu d'animation.
Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer ce soir. Nous sommes, comme le disait le doyen tout à l'heure, nous sommes des activistes sur Facebook. Nous ne sommes pas véritablement spécialisés en cette matière, mais je pense que nous allons faire de notre mieux pour quand même plus ou moins présenter ce que nous pouvons. Parce que après Facebook, nous avons pensé descendre sur le terrain pour voir ce que ça va donner. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus chez vous, Madame la Première Dame, pour organiser cette cérémonie. Donc pour l'instant, comme nous attendons certaines personnes de vos délégations, donc pour commencer, nous allons véritablement respecter notre déroulé. Mais avant tout, nous allons appeler ici un artiste du nom de Vira, qui va faire une présentation. Dosé. On peut faire devant maman et puis ne pas dire un mot. Ne fais pas dosé. Bonjour maman. Tu ne t'inquiètes. Bonjour maman. Je disais la dernière fois. Si malgré toutes ces difficultés, tu es encore assise parmi nous capable, sache que ta mission sur terre perdurera. La femme maltraitée, femme indignée, écœurée, maman, je te demande pardon. Femme maltraitée, ma maman est ivée. Femme écœurée, maman, je te demande pardon. Déboyez vous bon à bagansa, ou ni quoi. Jolie maman, ton enfant te demande pardon. L'échec qui donne la vie est Simone Yayase. Femme écœurée, maman, je te demande pardon. Je suis le privilégié fils de la promesse. Fais bien, allons-y. Tu t'inquiètes, tu te lamentes. Et tu te dis, tu n'as personne dans ta vie. Tu t'inquiètes. Tu te lamentes et tu te dis, tu n'as personne sur qui compter. Tout dans la meilleure auto école qui peut donner bon lui ta vie. Oh. C'est Jésus, oh, maman, c'est Jésus. Ce qu'il a dit viendra, ce qu'il a promis s'accomplira. L'éternel n'abandonne jamais, oh, jamais. Il n'est pas un homme pour te mentir. N'a pas ouvré, il n'abandonne jamais. Si c'est travail qu'il cherche, rassure-toi que tu vas travailler. Si c'est enfant, Omar, tu vas enfanter. Si c'est voyage, faut toujours croire que ça va venir. Il fait toutes choses pendant son temps. Aujourd'hui, on t'avira. L'éternel a permis qu'on voit ensemble ce qu'il a commencé. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. Allons-y. Chaque chose a son temps, pas de temps faut persévérer. C'est l'homme qui est pressé, sinon tu n'es jamais pressé. Je te dis chaque chose a son temps, idiot. Pourquoi te guetter si ton Dieu n'est jamais pressé? Il connaissait déjà ta destinée avant ta naissance. Faut plus te guetter si ton Dieu n'est jamais pressé. Il fera toute chose bonne à son temps pour toi. Hey, jolie femme de ce pays, maman, viens de bien. Toutes les richesses de ce monde, mon ami, lui en contiennent. C'est pourquoi si toi tu l'attends, tu ne vas jamais chômer. C'est lui le père de l'homme et l'argent, il donne tout cadeau. Faut plus te guetter si ton Dieu n'est jamais pressé. Tu connaissais déjà ta naissance. Pourquoi t'inquiéter si ton Dieu n'a jamais pressé? Il fera toutes choses bonnes en son temps. Oh yes, s'il vous plaît, on y tient encore. Merci beaucoup la famille. Merci l'artiste, merci du bois. Je pense que nous allons rester dans le déroulé. Pour avancer, nous allons appeler ici le pasteur. Avant tout propos, nous allons appeler le pasteur Europati pour une séance de prière, parce qu'il faut d'abord remettre
la cérémonie dans les mains de Dieu avant tout propos. S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout pendant que nous prions. Maman, ton Dieu est Dieu. J'ai dit, maman Babo, ton Dieu est Dieu. Nous autres, on était à l'étranger, quand ce lundi noir, on voyait défiler sur les antennes de France 24. Et après, on a vu sur les réseaux sociaux, comme pour se moquer de notre Dieu, des gens qui ont pris un mouton, ils ont écrit sur le mouton l'Éternel des armées. Et puis ils ont égorgé le mouton. Ils ont dit, on vient d'égorger l'Éternel des armées. C'est pourquoi nous avons jugé utile qu'en ce 11 jours, pendant nous commémorons, que nous souvenons de ce Dieu vrai, qui est grand, qui a déjoué tous les pronostics. Nous prions. Dieu du ciel et de la terre. Dieu qui a choisi le coup présidentiel. Notre Père et notre Dieu. Cette victoire est aussi ta victoire. Tu as été avec nous durant ces moments d'épreuve et tu les as transformés en chants d'allégresse, de joie. Nous sommes là ce matin, ensemble, unis, pour te dire, reçois l'hommage, la reconnaissance, la louange qui t'est due. Sois célébré. Encore une fois, l'Éternel des armées. Tu as prouvé que tu es Dieu. Et ensemble, nous te bénissons. Pour toute la gloire, au nom souverain et puissant de notre Maître et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais introduire en même temps un artiste qui nous vient du Cameroun. Maman, j'étais au Cameroun quand c'est arrivé et j'ai vu... J'ai mangé dans des restaurants, dormi dans des gratuitement parce que j'avais un accent ivoirien. Les gens disaient, tu es avec le président Babou. Dès que je dis oui, on dit tu dors là gratuitement. Et ce frère nous vient du Cameroun et il va faire une première prestation. Le chant dit les Fata du Cameroun. Juste un mot. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est jamais fini. C'est lui qui dit que la chose arrive. Et sa parole s'accomplit toujours. Et nous attendons juste qu'il parle. Et je sais qu'il parle encore. Et il parlera encore, même à travers ce cantique. Madame la Première Dame, nous allons continuer un peu avec les présentations. Nous commençons donc par les membres de votre délégation. Nous avons à côté de vous, à vos côtés, pardon, sous la bâche, le SGA Lorion Maurice, qui est président du mouvement Solidarité pour Babo. C'est le mouvement, si vous vous rappelez, qui a pu obtenir 26 millions de signatures qui ont été déposées auprès de l'ONU. Voilà. Ensuite, nous avons le SN Santé Emmanuel qui est là également. Nous avons... la SN OFPI Trocarol, qui est par ailleurs membre fondatrice du mouvement EIV Capable, membre du bureau national OFPI. Nous avons le fédéral JLPI Hachi Hachi. Nous avons le SN Soumaoro Aboulaye, chargé des fédérations du Bafing. Nous avons M. Niali Yazi, SN chargé de l'entrepreneuriat dans la diaspora, qui est là. Où est-il? Voilà, les frères qui viennent de derrière l'eau là-bas. Chez nous, on dit qu'ils viennent de derrière l'eau.
Nous avons Madame Simone Daté, présidente du COFED, collectif des femmes et parents des détenus politiques de la crise post-électorale. Excusez-moi, mais je les cite dans l'ordre dans lequel m'ont été donnés. Ce n'est pas dans l'ordre hiérarchique, bien sûr. Nous avons la SN chargée des microfinances et de la lutte contre la pauvreté, la camarade Wadi Lou Rachel, qui est là également. Nous avons à vos côtés, Madame la Première Dame, Monsieur Diara Kassoum, directeur de société, qui est tout là-bas avec vous. Nous avons à vos côtés, sous la bâche, Madame la Première Dame, le député Koudouyon Stéphane. Et nous avons, Madame la Première Dame, Monsieur Apia Vincès, directeur des sociétés également. Et enfin, nous avons Monsieur Goury Alain, qui est également directeur des sociétés, qui est là avec son épouse. Voici là pour le moment, Madame la Première Dame. Nous avons à vos côtés votre directeur de cabinet, le SGA Aqua Corentin. Le ministre secret Richard est caché par Ben. Ben, c'est ta faute, hein, si je n'ai pas présenté le ministre secret Richard. C'est tellement gros. Le ministre secret Richard, qui est là aux côtés de Madame la Première Dame, qui est par ailleurs vice-président du Front Populaire Ivoirien. Merci à tous et à toutes. Nous avons dans le groupe des cyberactivistes, nous avons M. Touré Dubois, qui est le président national de la jeunesse du COGEP. Touré Dubois. Voilà, Madame la Première Dame, pour le moment, les présentations que nous allons faire. Nous allons, au fur et à mesure, continuer les présentations. Je voudrais, Madame la Première Dame, vous donner... Mes jeunes frères m'ont appelé au secours. Ils m'ont dit de venir assurer la maîtrise des cérémonies. Je voudrais, Madame la Première Dame, vous donner le déroulé de cette cérémonie. La prière d'ouverture a été déjà faite par le pasteur Patrick Yoro. Tout à l'heure, nous allons écouter l'allocution du président du comité d'organisation, M. Narcisse Yapo, dit KGB. Ensuite, nous écouterons l'allocution de la secrétaire générale du mouvement HGMJ, entendez, halte au génocide, mémoire et justice. C'est Madame Célestine Daba. Après quoi, nous allons écouter un intermède musical. Et ensuite, ce sera l'allocution du secrétaire général du PANA. Le PANA qui est... Nous aurons donc l'allocution du secrétaire général du PANA, M. Zabi. Je n'ai pas son prénom ici. Est-ce que M. Zabi est là? Pour qu'on puisse le présenter? Il n'est pas encore arrivé. Il est là? Ah, voilà, M. Zabi, voilà. Ils sont derrière vous là-bas, Madame la Première Dame. Et ensuite, nous aurons un intermède musical. Et après
Non, avant donc votre prise de parole, madame la première dame, il y aura la coupure de gâteau d'un enfant qui est né justement le 11 avril. Donc, je n'ai pas le nom de cet enfant ici. On voudra bien me donner le nom de cet enfant. C'est le fils d'un militaire du nom de Mélège Adou qui est actuellement en prison, qui est prisonnier militaire. Le fils est né le 11 avril 2011, s'il vous plaît, le jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo et de Madame la Première Dame et de tous ceux qui étaient, tous les responsables qui étaient avec eux à la résidence présidentielle. C'est ce jour-là que cet enfant est né. Alors, Madame la Première Dame, voici le déroulé de notre cérémonie. Je voudrais, Madame la Première Dame, avec votre permission, appeler ici le président du comité d'organisation, M. Narcisse Yapo, dit KGB, pour son allocution. Madame la Première Dame, Maman Simone et Yves Bafo, chef du cabinet, responsable de parti politique, compatriote ivoirienne, je tenais à vous passer mes salutations les plus distinguées et les plus respectueuses. Mon allocution portera sur deux axes. Le premier axe sera une lettre de remerciement particulier à notre maman. Et le deuxième axe sera un discours politique improvisé. Maman Simone, vous, notre mère, je me souviens à l'époque, j'étais si jeune et un jour, votre collègue du CINAVES, collègue, professeur et camarade syndicaliste et mon géniteur me disait que parmi nous, il y a des hommes, mais cette femme est plus combative et déterminée que nombreux d'entre nous. J'ai grandi moi-même, j'ai constaté, j'ai vu et j'ai su que cette ténacité par laquelle vous êtes qualifié est l'expression de votre âme combative, fervente et si douce. Maman, quelle femme politique aurait surmonté les bombes comme vous
les incarcérations longues, les épreuves politiques pénibles. Et tout cela pour nous, aux enfants, les générations futures, la Côte d'Ivoire de demain. Maman, merci pour toutes ces années de combat. Aujourd'hui que nous avons la victoire, nous ne pouvons vous dire autre chose que Yako et merci. Merci pour tout, maman Simone Ewé. Merci. Compatriotes, j'ai fini le discours de remerciement à notre maman. Je souhaiterais maintenant adresser un discours improvisé. Vous savez, la lutte a les phases. Et nous, produits du syndicalisme estudiantin, les camarades ici réunis le savent, où la lutte a commencé pour nous. C'est sur nos dévanciers que nous avons appris. Le président Laurent Gbagbo, maman Simone Ewé et le ministre Charles Bleu Boudé. Et nous, la petite à l'époque, la première, la Fontali, l'aspirateur de la lacrymogène C5. Je souhaiterais ressasser brièvement, notre combat, d'abord en tant qu'étudiant, quand le président Laurent Gbagbo est tombé. Les cités étaient fermées. Fermées par ceux que vous connaissez. Je me suis levé un jour. J'ai dit aux vieux, mais moi, je dors à l'aise à la maison et mes camarades étudiants dans mon enfant. C'est pas normal. Le camarade ici présent, les camarades de la FESI sont présents. J'ai vandalisé de nuit une chambre de cité estudiantine. On m'a arrêté. On m'a frappé, battu. On m'a déposé à la brigade de gendarmerie à proximité ici. Quand je suis ressorti, j'ai continué la lutte. Par stratégie, on a récupéré les clés, laissé les clés sur les portes. On a logé tous les camarades syndicalistes. Et quand on a fini, on leur a forcé la main pour ouvrir les cités. Ils nous ont arrêtés. J'ai fini à la mata. Mais comme Dieu ne dort pas, je suis sorti vivant. Je souhaiterais dire, et ça, je le dis à ceux qui ne connaissent pas le jeu politique. La prison, pour l'innocent, est un lieu de pénitence. Le jour où maman est sortie de prison, ce jour d'août, l'atmosphère s'est dégagée en Côte d'Ivoire. Où les spirituels politiques se sont sentis. Parce que l'homme qui dort sur la Côte d'Ivoire est lugubre. Et c'est cette femme-là et son mari et tous ceux qui ont lutté avec eux qui détiennent la libération de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont souffert. Ils ont souffert. Le président Laurent Gbagbo, un jour à La Haye, lorsque le ministre Charles Bleu Boudé est arrivé nouvellement, il lui a dit, jeune homme, tu veux cuire du pain, sache que quand le four est fermé, quand le four est ouvert plutôt, le pain ne sera jamais cuit. Cela veut dire quoi? Que pour aboutir à la gloire, il faut passer par la croix. Et cette femme, ici assise,
à porter la croix. Cette croix qu'elle a portée n'est pas pour elle ni son mari. C'est pour nous, les générations futures de Côte d'Ivoire. C'est pour nous qui ont fait ce combat. Et c'est à nous de pérenniser cette lutte. C'est la raison pour laquelle nous sommes debout depuis lors. Nous ne sommes que des enfants. C'est eux, nos vétérans. Je me souviens lorsque nous disions non au référendum de 2015 avec le président Abou Sangaré, le ministre Laurent Koun. Mais bien avant, le président nous avait dit, si je tombe, perds son âme, si je tombe, j'en veux mon corps et continue le combat. Et c'est cela la raison du combattant politique. Sa vie compte moins que l'avenir de son pays, que la libération de son pays. Ce jour-là, nous nous sommes mobilisés. Le président Mamadou Koulibaly est venu d'Abidjan Sud avec tous les compatriotes, patriotes, et nous nous étions à Abidjan Nord. Nous nous sommes croisés. C'était près de 5000 personnes. Nous nous sommes croisés au niveau de l'échangeur de nostalgie au plateau. La police nous a gazés, comme habituellement. Nous avons dit au leader, « Leader, rentrez chez vous, le reste à nous on gère. » Le camarade Kaiper qui est présent, il se souvient bien, avec le camarade Zagol Alain Durand. Nous avons marché du plateau jusqu'à le pouvoir. On a bloqué l'autoroute. Embouteillage sur embouteillage. On est arrivé à Yopou pour terminer le meeting à la place CPM. Je souhaiterais vous dire aujourd'hui la victoire du président Laurent Gbagbo. Cette victoire juridique internationale n'est rien que pour la libération de la Côte d'Ivoire et la préparation de l'avenir de notre nation. Ils ont combattu pour nous. Ils se sont sacrifiés pour nous. Quelle vie de jeunesse Bappé a vécu. Le président Laurent Gbagbo, toute sa vie n'a été que combat. Il a obtenu pour nous le multipartisme. Il a permis aux gens de créer des partis politiques aujourd'hui pour lui manquer de respect. Et ils oublient que Gbagbo est le symbole de la lutte. Maman Simone est le symbole de la lutte. L'enfant Chali est le symbole de la lutte. Aux patriotes, nous sommes des combattants. Et jamais nous n'abandonnerons le combat. Jamais. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cet événement qui coïncidait avec la libération définitive du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Bleu-Boudé pour commémorer ce 11 avril de manière joyeuse parce qu'antécédemment, c'était une journée de tristesse. Mais en même temps, pour annoncer que nous sommes prêts et nous préparons l'arrivée du président. C'est moi, vous dites les gars, pour nous dire, c'est pareil l'arrivée du président. Tout à l'heure, quand ma présentante en tant que KGB, la première dame a tiqué, elle a dit, hey, tu n'as pas peur, hein? Maman. Moi, mais j'ai peur, vous n'avez pas peur même. KGB, ma somme, KGB, bon. Parce que je suis diplômé de Russie. C'est la raison pour laquelle m'a sommé KGB. Sinon, je suis à l'état civil d'assis Yapo. Combattant. Politique. Et je souhaiterais vous présenter les camarades du comité d'organisation avec qui nous avons organisé ce gouvernement. Le révérend Patrick Yoro, le camarade Herman Nagui, le camarade Jean-Jacques, le camarade Ponce Blindé. Le camarade Roméo Botti et deux autres filles, Colombe Jotébili et Bintou Aïssa Diaby, qui se trouvent en France, qui n'ont pas effectué le déplacement. Le camarade Papadé aussi ici présent. Et le camarade Dugaï, vous le connaissez bien, c'est le directeur du cabinet du président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. Donc, généralement, c'est un peu ça. Nous tenons à vous remercier avant que maman même fasse le discours final. Nous tenons à vous remercier pour votre déplacement. Nous tenons à vous dire que nous sommes prêts pour faire rentrer le vieux en piste. Passons ici en l'air orange, blanc, vert. C'est pour vous dire qu'on va courir jusqu'à l'aéroport. On va aller chercher notre papa.
Quelques personnalités qui sont venues assister à cette cérémonie. Nous avons Madame Micheline Koudou, épouse du frère du président Laurent Gbagbo, qui est là. Micheline Koudou. Voilà. Nous avons également le SN Bibli, Kwame Bibli Robert Jonas. Voilà, c'est un bourreau. Malheureusement, lui aussi, il est parmi les personnalités. Nous avons M. Godji Théophile, frère cadet du président Laurent Gbagbo, qui est également là. J'ai déjà présenté Micheline Koudou. Nous avons Madame Monero Yvette, fédérale OFPI de Fakobi, qui est là. Voilà, au fur et à mesure, nous allons présenter les personnalités, Madame la Première Dame. Alors, à présent, Madame la Première Dame, nous allons accueillir à ce pupitre Madame Célestine Daba du mouvement HGMJ pour son allocution. Voilà. Madame Célestine Daba, s'il vous plaît. Bonjour à tous.
Permettez-moi de saluer Madame Simone et Yvette Babo, deuxième vice-présidente du FPI, la femme capable, l'épouse de l'homme capable, Laurent Babo. Je suis heureuse de saluer la résistante des résistants, la reine des résistants, notre queen capable. Chères sœurs, chers frères, chers parents, je vous salue au nom de mon association AGMJ et au nom de la résistance de la diaspora en France. Quand j'ai appris la bonne nouvelle, j'ai voulu la fêter au pays natal. J'ai voulu partager ma joie avec vous pour cet acquittement total et indiscutable, suivi enfin d'une libération définitive tout aussi indiscutable. Chers amis, chers parents, c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous en ce jour de commémoration du 11 avril. Comme tous les ans, non, en effet, on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et nous avions à cœur que tout le monde ne soit pas trompé tout le temps. C'est dans cet esprit que notre association, aux côtés d'autres associations de la diaspora en France et partout en Europe, avons bataillé, fait des marches, des sit-ins, sous la pluie, par beau temps, sous la neige, nous avons organisé des conférences, inviter la presse internationale, rencontrer des hommes politiques français et européens pour expliquer sans relâche les faits, exposer les faits pour que la vérité soit sue et l'emporte sur le mensonge. C'est pour cela aussi que depuis le 5 décembre 2011, nous nous déplacions physiquement à La Haye pour remplir la salle réservée aux visiteurs, envahir les alentours de la CPI et les rues de La Haye à chaque audience publique. À tel point qu'à Paris et à La Haye, l'opinion publique a compris qu'on leur avait raconté une histoire tronquée. Car, mesdames, messieurs, chers amis, comme vous le savez, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour d'avril, le 11 exactement, un peuple a été humilié, tenu au respect par la force des bombes. Un jour comme dans la jungle, la raison du plus fort a triomphé. Un jour où le droit a été piétiné. Un jour où notre souveraineté nous a été ôtée. Un jour où la première dame, Simone Babo, a été maltraitée, arrêtée et expédiée au nord du pays, loin de chez elle, pour avoir dit non à l'imposture. Un jour où, sur la base de mensonges, les accusateurs du président Laurent Gbagbo a été déporté loin de sa terre natale, dans une prison coloniale en Europe, à la Cour pénale internationale, déporté comme au bon vieux temps, pour des raisons en réalité inavouables. Il était trop souverainiste, trop panafricaniste. Nous avions eu très peur, car dans l'histoire, nous savions qu'un nègre déporté hors de son continent n'est jamais revenu de son lieu de déportation. Mais nous avions foi en la justesse de notre combat et en notre victoire. Voilà pourquoi, sans cesse, avec toute la résistance ivoirienne et panafricaine, parce que oui, cette résistance est devenue panafricaine, j'allais dire mondiale, car nous avons des amis français et européens épris de justice et de paix qui ont épousé notre combat. En France, je peux citer le Parti communiste, avec particulièrement le député Jean-Paul Lecoq, qui a ouvertement dénoncé cette arrestation et la CPI. Je n'oublie pas notre ami journaliste Grégory Proche, qui dès les premières heures nous a rejoints dans le combat. Son icône est d'ailleurs Simone et Yvette Babo. Et avec AGMJ, il a créé la page Facebook « Je réclame la libération de Simone Babo ». Je vais lui dire merci pour son engagement et le travail d'information, de réhabilitation de la vérité qu'il a abattue. Je voudrais remercier aussi tous mes amis journalistes français qui ont œuvré dans l'ombre, fait du lobbying,
pour que la vérité soit su. Tout le monde connaît le grand journaliste Théophile Kouamouo, dont le rôle a été très important dans cette quête de vérité. Il a apporté la vérité des faits sur les grandes chaînes françaises afin d'informer aussi l'opinion publique française et internationale. Nous avons battu le pavé. Nous sommes allés partout informer, renseigner, rétablir les faits et la vérité piétinée s'est dressée à nouveau définitivement le 31 mars 2021. Notre détermination était sans limite parce que le sacrifice de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo nous honore mais nous oblige également. Et par leur parcours, ils nous ont enseigné leur courage, leur foi en la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière est contagieuse et nous a boostés. C'est pour cela que quand le 5 décembre 2011, à la CPI, lors de la première audience de comparution, Laurent Gbagbo prononce la prophétique phrase « On ira jusqu'au bout ». Chacun de nous, individuellement et collectivement, avons adopté cette phrase qui nous a guidés. Nous nous sommes fait la promesse d'aller jusqu'au bout avec lui. Car nous savons qu'au bout de la persévérance se trouve la victoire. Et pour difficile que ce fût par moment, nous sommes allés arracher cette victoire. Et voilà que le président Gbagbo et Blé Goudé vont pouvoir revenir sur la terre natale. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous savons définitivement qu'il n'y a que la lutte qui paye. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir guidés pendant cette quête de vérité et d'avoir permis qu'elle éclate au grand jour. Nous lui disons merci infiniment de nous avoir fait ce cadeau de la libération du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je voudrais préciser que pour être efficace, on a dû se mettre ensemble et mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc soyons un peuple uni, car autant l'union fait la force, autant la désunion nous expose à l'échec. Et pour faire un clin d'œil à l'opération mise en place par Eben Vanier, pour saluer notre icône, l'incontournable Simone Gbagbo, depuis le 8 mars, soyons tous des Yvette capables. Une appellation qui nous invite tous à être des femmes et des hommes capables de provoquer le changement, de travailler ensemble en toute intelligence, des hommes courageux et des femmes courageuses, des hommes et des femmes capables de hisser haut leurs conjoints, leurs enfants et leur pays, des hommes et des femmes éduqués, respectueux, travailleurs, honnêtes, rigoureux, des hommes et des femmes battantes, des hommes et des femmes capables de construire aux côtés des époux, j'allais dire du duo politique, Simone et Laurent Gbagbo, une Côte d'Ivoire prospère, sociale et inclusive. Nous sommes vraiment heureux et nous avons hâte de retrouver le couple, mais surtout le duo politique redoutablement efficace et inspirant que vous êtes pour nous. Madame Simone et Yvette Gbagbo, Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et continuez de le faire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, à qui nous sommes pressés de dire à quoi va. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour terminer, remercier Madame Simone et Yvette Gbagbo, qui, malgré les souffrances, l'injustice, malgré tout ce qu'elle a subi, a été capable de résilience. C'est ce qui lui permet de prôner un discours de paix et d'unité pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Dieu bénisse. Merci. Merci à Madame Célestine Daba. Brenda. Merci beaucoup.
Ça, c'est pour la couture. Bravo. Ça pourrait mettre le pain là-bas. Non, non, il y a le truc dedans, il y a le truc là-bas. Merci à madame Céline Baba. Dio. Les LGA à part et Maurice Lorion. Voilà, écoutez-moi, non. Duo politique redoutable, a dit madame Céline Baba. Moi, j'ajoute duo politique inséparable. Politiquement inséparable. Alors, inséparable, un point. Inséparable, un point. Inséparable, un point. Merci beaucoup. Madame la Première Dame, à présent, nous allons écoutez l'artiste Shilo Dove pour sa prestation. Shilo Dove, la console. Il faut mettre en pleurs. Il faut mettre en direct. Oui, elle est là. Maman, elle est capable. Elle est où, ma maman? La voilà qui est là. Oui, je vous dis. La voilà qui est présente qui est là. Je vous dis, voilà mon mari, il est capable. Cœur, il y a de la place.
maintenant. Madame la Première Dame, nous allons à présent écouter l'allocution du SG du PANA, M. Zabi. Monsieur Zabi. Je salue les Ivoiriens et les Ivoiriens. Je salue notre première dame, la Douna. Madame la... Votre nom à partir d'aujourd'hui pour le panel, c'est la Douna, la maman du pays. Je suis le président du Parti nationaliste des Kabinyabés. Madame, c'est un bref rappel avant que mon secrétaire ne parte. Le 27 décembre 2010, alors que la crise battait son plein, nous avons eu une réunion à votre domicile à Cocody, au cours de laquelle je vous avais prédit la victoire de la Côte d'Ivoire en décembre, le 27 décembre 2010. Avant qu'on ne déporte le Ouidi de maman à la haine, notre frère, mon frère Serge Agnero pleurait. Il m'a appelé. Je lui ai dit, la Côte d'Ivoire est libérée avant qu'on amène Gbagbo à la haie. Ce sera une honte pour les Occidentaux, pour les capitalistes. Pour le moment, je vais vous donc laisser mon secrétaire vous faire un peu ce que j'ai préparé pour l'auditoire. Je salue ici présent tous les Ivoiriens dans toute sa forme. Je salue la première dame, maman Simone Eve Gbagbo. Le PANA rend un vibrant hommage à Bernard Dadier, au président Laurent Gbagbo et à la première dame Eve Simone Gbagbo. Congrès national de la résistance démocratique pour la libération de notre pays. L'impérialisme, l'hégémonie ou la dictature du capitalisme a mis le tiers monde dans une position de subordination au sein de l'économie capitalisme mondial. Il est la cause première des maux tels que les guerres, les coups d'État, etc., qui minent les pays du Sud en voie du sous-développement. Le capitalisme français, comme tout capitalisme, est un bandit armé, un sanguinaire qui rôde autour du monde en quête de ressources naturelles pour alimenter son économie.
de Benedict Anderson dans les communautés imagées. La souveraineté est le gage et le symbole de la liberté d'un peuple. Et ce directement sous Dieu. De Jean-Jacques Rousseau, la souveraineté est sacrée, indissoluble. Elle peut être bafouée par une tierce personne, mais elle reprend toujours le dessus. Quelle importance d'un pays du tiers monde, donc militairement très faible, déchiré par les bandits armés et leurs lieutenants et la classe compradore, la bourgeoisie nationale, était sous contrôle du midi de maman. Comme Daniel, dans la Sainte Bible, le midi de maman et son pays ont été jetés dans le trou au lion à la CPI, d'où il ne devait plus sortir. La Côte d'Ivoire a été crucifiée, voire morte. Nos aînés, nos parents n'étaient pas pour la subordination ni la colonisation de ce pays. La souveraineté nationale inclut les vivants et les générations passées. La lutte est multiforme. Jean-Baptiste Bocquet ne disait-il pas : nos parents n'ont pas lutté pour l'indépendance, pour que nous acceptions aujourd'hui de nouvelles soumissions. La nationalité, la citoyenneté, la démocratie, la souveraineté sont les quatre côtés du carré magique que nous, les Ivoiriens, doivent défendre avec calme et détermination. Le docteur Jean-Baptiste Doba Kraba, connu sous le nom Krabé Nyabé, les Ivoiriens doivent se battre même avec les mains nues pour arracher leur pays aux mains des étrangers et être les bénéficiaires directs de leur travail. Le retour de l'Udi de Mama est le souhait ardent de tout Ivoirien. Avec le Udi de Mama, le politicien, le guerrier et le capitalisme a été en lit. De préalable, n'oubliez pas qu'aucune dictature ne cède volontairement le pouvoir à un autre. Et il est de notre devoir de récupérer notre pays, la Côte d'Ivoire, pour bienvenue de Dieu avec sa tête, à la tête, le Udi de Mama. Que les Ivoiriens de tout bord, morts ou vivants, à l'union sous guide. Le Udi de Mama. La souveraineté a été nationale et reprend les commandes de notre pays. Pour le parti nationaliste, le chevalier du Pana, Mourad Kate, SG Zabi, à Abidjan le 11 avril 2020. Merci à M. Zabi pour son allocution. Madame la Première Dame, nous allons passer à la dernière allocution, celle de M. Dubois, Touré Dubois, président national de la jeunesse du COJEP. Monsieur Touré Dubois, s'il vous plaît.
Je voudrais saluer le président du comité d'organisation et tous les mouvements qui ont été invités. Je voudrais saluer la première dame, notre maman, cette icône de la lutte pour l'indépendance, cette icône de la lutte féminine en Côte d'Ivoire. Elle est notre icône pour la lutte féminine en Côte d'Ivoire. Il y a des grandes femmes qui ont été célébrées dans le monde entier, mais devant elles, nous ne pouvons que citer le nom de Simone et Yves Gbagbo. Parce que pour nous, c'est une grande dame. À l'image de Simone de Beauvoir, qui a lutté dans les années 70 pour la libération des femmes. À l'image de Simone Veil, de toutes ces femmes, nous avons une icône en Côte d'Ivoire qui mérite d'être célébrée. Simone et Yves Gbagbo. Oui, elle mérite d'être célébrée parce que elle est le symbole de la lutte féminine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand nous parlons de premières dames en Côte d'Ivoire, il y a des premières dames qui font juste des ONG. Il y a des premières dames qui accompagnent juste leurs maris. Mais il y a des premières dames qui se lèvent et qui luttent aux côtés de leurs maris. De combat. Elle est aussi un symbole pour nous autres. Nous qui étions enfants et qui nous servions et qui avons grandi, nous qui avons été nourris au lait politique du président Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'avec tout ce qu'elle a traversé, elle est encore debout pour orienter le combat. Maman Gbagbo, maman Simone Gbagbo, soit sacrée. Quand j'ai dit ça, je voulais célébrer un nom, le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est le symbole qui donne l'espoir à l'enfant du pauvre. Le président Laurent Gbagbo est le symbole qui donne l'espoir au fils du paysan. Le président Laurent Gbagbo est le symbole qui donne à tous ceux qui étaient désespérés de croire qu'un jour c'est possible. Défavorisé hier, il n'était pas un fils des grands cadres du BDCI qu'on a connu en Côte d'Ivoire. Mais il s'est battu, il s'est frayé un chemin. Quand vous voulez abandonner, quand vous êtes découragé, rappelez-vous du président Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo. Où ils sont quittés et où ils sont arrivés. Et ne perdez jamais espoir. Ils nous ont donné de l'espoir. Ils nous ont donné cette âme, cette force politique pour que nous puissions à notre tour surmonter les obstacles et arriver à atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, ça me fait mal que il n'y a pas des écrivains en Côte d'Ivoire qui vont retracer l'histoire de Simone et du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas des cinéastes en Côte d'Ivoire qui vont faire des films pour retracer. Ça devait être fait. Comme pour Abraham Lincoln, ça devait être fait. Parce que nous avons notre modèle. Le Mandela de la Côte d'Ivoire est appelé le président Laurent Gbagbo. Nous devons être fiers. Parce que nous n'avons pas choisi le mauvais combat. En 2011, l'espoir semblait être perdu. On semblait désemparé. On était tous découragés. Les gens étaient venus avec une intention de mettre un point. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que où ils voulaient mettre le point, Dieu enlevait le point, il a mis une figure. L'histoire continue. Et l'histoire ne s'arrêtera pas maintenant. Parce que le président Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire. Et comme Joachim dans la Bible, son trône sera au-dessus de tous les trônes qu'on a connus. Et nous le croyons. Ça ne sera pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Les politiciens ont fait les calculs. Après moi, voici Suissetet n'est plus là. Voici l'autre Suissetet n'est plus là. Comprenez que Dieu nous donne un message. Vous avez tué sur le trône, mais votre temps est fini. Les grands propriétaires du trône arrivent. Je vous demande de nous inviter à nous préparer à accueillir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Boudé. Les jours où ils vont décider de venir, il faut que le monde entier sache que malgré les années, notre amour pour le président Laurent Gbagbo n'a jamais disparu. Notre amour est resté intact. Je le disais à quelqu'un. J'ai dit, vous voyez, quand vous partez dans la bouche pour aller chasser, quand vous partez chasser une biche, vous ne tuez pas.
Quand vous partez chasser, par exemple, le gazelle, vous ne le tuez pas. Mais celui qui va chasser un éléphant, quand il a tiré, on a entendu le bruit du fusil. Mais on ne voit pas le gibier. On se dit qu'il n'a pas atteint son objectif. Or, ce qu'il oublie, c'est que l'éléphant-là, il ne meurt pas sur place. Il marche, et il va tomber au loin. Mais quand il revient, tout le village partage l'éléphant avec le chasseur. Le président Laurent Gbagbo est un chasseur d'éléphants. Il allait tuer l'éléphant. Il reviendra. Je l'ai dit. Le président Laurent Gbagbo a dit, je suis en mission à ce pays. On dit on va, on ne revient pas. Mais ça, c'était pour les autres. On va, on ne revient pas. Ça, c'était pour les autres. C'est que moi, je sais. C'est que quand on arrive au sein, on nous a dit que non. Devant moi, ça devient moi. Mais quand on écrit bonbon, ça ne change pas. En toute chose, il y a des exceptions. Et Laurent Gbagbo est une exception. Merci à Maman Simon parce qu'elle a persévéré. Elle est restée égale à elle-même. Beaucoup de personnes auraient souhaité que, à sa sortie de prison, elle ait un certain langage. Mais quand elle est sortie, elle dit je pardonne. C'est le symbole des grands. Ceux qui sont en mesure de surpasser les douleurs pour accepter tout le monde sont des grands. Maman Simon Gbagbo, vous êtes une grande dame. Je vous remercie. Merci à tous les Dumas. C'est champion. Pour son discours, merci beaucoup. Aux parents de notre fils qui souffre sa 10e bougie aujourd'hui, d'envoyer l'enfant à la table des officiels pour la coupure du gâteau. Thank you.
Tu coupes,